Scénario catastrophe, mais bien réel pour François Berléand. Alors qu'il était dans la station des jets pour le tournage de la série de TF1 Les Chamois, l'acteur de 65 ans a profité d'une pause pour faire du ski avec ses jumelles de 9 ans pendant le week-end de Pâques. Le passage sur la piste rouge a viré au cauchemar. J'y allais pépère, j'étais avec mes filles quand un gamin a déboulé devant moi. Je suis tombé et malheureusement je n'ai pas déchaussé, j'ai senti l'os craquer, révèle le comédien dans Le Parisien, qui raconte qu'il a dévalé la piste sur plusieurs dizaines de mètres. Ma tête a tapé le sol, heureusement que j'avais un casque, c'est le fémur, pas le col, heureusement, explique François Berléand, qui se veut rassurant. Il faudra plusieurs semaines avant qu'il puisse remarcher sans l'aide de ses béquilles. Pour l'instant, c'est donc assis qu'il poursuit le tournage de la série, rapporte Le Parisien, qui indique que cette mésaventure pourrait repousser de quelques jours son retour sur scène dans Ramsès II, la pièce de Sébastien Thierry, qu'il devait reprendre dès le 2 mai prochain. Hasard surprenant, le personnage joué par le comédien blessé se déplace en fauteuil roulant.